Bonjour et bienvenue sur Floraison pour le 6e épisode de la série Patriarcat et capitalisme selon Mariamis. On commence ici le 3e chapitre de Patriarchy and Accumulation on a World Scale, intitulé Colonisation et femmes aux foyerisations. Dans ce chapitre, l'autrice revient sur les deux facettes de la violence capitaliste et patriarcale évoquées dans le chapitre précédent. La colonisation de l'Afrique, avec la mise en esclavage de ses populations dans les plantations du Nouveau Monde, et la chasse aux sorcières en Europe. Dans cet épisode, on va d'abord se concentrer sur la chasse aux sorcières. L'histoire de la division du travail et de la division sexuelle du travail est un processus violent. Elles ont permis aux hommes, puis à certaines classes, d'établir une relation exploitante entre eux et les femmes, et entre les autres personnes et les autres classes. Elles sont basées sur la séparation et la subordination des êtres humains, et sur la séparation totale de l'homme et de la nature. L'accumulation rapide de richesses matérielles par l'appropriation violente a facilité le développement de la technologie dans ces sociétés guerrières. Ce développement technologique et cette expansion de la civilisation patriarcale est présentée comme merveilleuse et s'incarne dans le concept de progrès. Pourtant, ce progrès garde pour but la guerre, la conquête et l'accumulation, et non la subsistance des besoins de la communauté. D'ailleurs, les techniques de subsistance, telles que la conservation et production de la nourriture, des vêtements et du logis, sont dévalorisées et sont perçues comme rétrogrades. L'émergence d'un système capitaliste et patriarcal mondial rend possible l'externalisation et l'extraterritorialisation des personnes exploitées. Les esclaves des colonies ne font pas partie de l'économie ni de la société civilisée. Caroline Merchant, dans La mort de la nature, raconte comment le développement de la science et de la technologie moderne s'est basé sur les attaques violentes contre la mère nature, jusqu'ici considérée comme un organisme vivant. La Terre est alors transformée en immense réservoir de ressources naturelles, de matière, qui peut être analysée et synthétisée par l'homme dans ses nouvelles machines. L'extraction de minerais précieux aux Amériques, en Asie et en Afrique, pour la création de produits de luxe est rapidement enclenchée, tandis que la mise en esclavage des peuples africains assure la production. Les grands hommes européens commencent alors progressivement à s'envisager comme émancipés et indépendants de la mère nature. Cette réification et destruction de la terre s'étend aux femmes à travers l'organisation des chasses aux sorcières en Europe pendant 4 siècles. Là encore, les hommes s'émancipent de leur dépendance aux femmes européennes en leur retirant leurs connaissances et leur pouvoir de contraception. Caroline Merchant n'inclut pas dans son analyse la relation de ces hommes modernes avec leurs colonies, mais Mariamis estime que ce critère est indispensable. En effet, il est crucial pour notre analyse de comprendre ce que le capitalisme patriarcal moderne a défini en tant que nature à soumettre et à exploiter, c'est-à-dire la terre, les femmes et les colonies. Mariamis écrit « Ainsi, la loi de ce progrès est toujours contradictoire et non évolutive. Le progrès pour les uns signifie la régression pour les autres. L'humanisation pour les uns signifie la déshumanisation pour les autres. Le développement des forces productives pour les uns signifie le sous-développement et la régression pour les autres. La raison pour laquelle il ne peut y avoir de progrès unilinéaire est le fait que, comme cela a été dit précédemment, le mode de production patriarcal prédateur constitue une relation non réciproque et d'exploitation. Dans un tel rapport, aucun progrès général pour tous, aucun ruissellement, aucun développement pour tous n'est possible. Friedrich Engels avait attribué cette relation antagoniste entre progrès et régression à l'émergence de la propriété privée et à l'exploitation d'une classe par l'autre. Mais il n'avait pas inclus la relation d'exploitation des femmes par les hommes dans son analyse, alors que pour Mariamis, il s'agit là de la fondation même de la société civilisée. Engels envisageait aussi d'étendre ce qui est bon pour la classe dominante à toutes les classes, afin de résoudre ces relations d'inégalité et de domination. Mais pour Mariamis, c'est une erreur stratégique. Elle écrit « Dans une relation d'exploitation, les privilèges des exploiteurs ne peuvent jamais devenir les privilèges de tous. Si la richesse des métropoles est basée sur l'exploitation des colonies, alors les colonies ne peuvent atteindre la richesse que si elles aussi ont des colonies.
Si l'émancipation des hommes est basée sur la subordination des femmes, alors les femmes ne peuvent pas obtenir l'égalité des droits avec les hommes, ce qui inclurait nécessairement le droit d'exploiter les autres. Par conséquent, une stratégie féministe de libération ne peut que viser l'abolition totale de toutes ces relations d'exploitation. Tant que l'exploitation des femmes par les hommes, de la nature par l'homme, des colonies par les colonisateurs, d'une classe par l'autre reste la condition préalable à l'avancée d'une partie de l'humanité, il est impossible pour les féministes de parler de libération. Mariamis tâche ensuite de retracer ce processus historique qui a amené à l'invisibilisation et l'exclusion des femmes, de la nature, des colonies, de la société dite civilisée. Sa méthodologie est différente de celle du travail académique traditionnel, qui analyse des entités séparées, et il est important de le souligner parce qu'à travers sa méthodologie, Mariamis met aussi en pratique les valeurs qu'elle défend. La méthode académique traditionnelle isole et divise des parties d'un tout, avant de les resynthétiser artificiellement. C'est la méthode des scientifiques et des colonisateurs qu'elle dénonce. À la place, elle suit une logique qui tente de tracer les connexions souterraines qui relient les trois processus de domination patriarcale identifiés précédemment. La mise en exploitation de la nature, la subordination des Européennes et la conquête et la colonisation de nouveaux territoires et de peuples. Elle ne propose pas un exposé exhaustif de cette période, mais souligne plutôt la mise en place des connexions cruciales pour la mise en place des relations de production du capitalisme patriarcal. Au Haut Moyen-Âge, parmi les peuplades germaniques, les femmes sont régies par le Mund, c'est-à-dire la puissance de protection du père de famille. Elles deviennent sa propriété par le mariage. À partir du XIIIe siècle, les villes et les bourgeoisies urbaines se développe et cette conception de la famille germanique traditionnelle, selon laquelle le père règne sur la famille étendue, et notamment sur les femmes, se dissout progressivement. Certaines femmes, en ville, deviennent artisanes, exercent en indépendante et échappent à ce pouvoir du Mund. La demande croissante rapide pour certains biens manufacturés, et notamment des biens de luxe, créés presque uniquement par des femmes, la pénurie d'hommes due aux croisades et guerres féodales incessantes, permet cette relative libération de l'esclavage sexuel et domestique des femmes. Chez les paysans, le mariage est réservé aux hommes aînés, des fratries, pour ne pas diviser les terres. Les filles non mariées de ces familles paysannes pauvres sont envoyées en ville pour ne pas accabler économiquement leur famille. Tout cela entraîne une augmentation du nombre de femmes seules, célibataires ou veuves, qui ont besoin d'être économiquement actives pour survivre. Au XIIe et XIIIe siècle, les artisans et entrepreneurs participent au développement du commerce. La peste noire du XIVe siècle décime 40% de la population européenne. Paysans et ouvriers retrouvent l'accès aux terres cultivables et le servage devient moins courant en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Les femmes sont progressivement autorisées à rejoindre les guildes professionnelles, jusqu'ici réservées aux hommes, et des guildes uniquement féminines sont créées. En dehors de l'artisanat, les femmes sont nombreuses à être colporteuses, à vendre des fruits, des légumes, du poisson, etc., de manière informelle. Mais elles ne participent pas, ou très exceptionnellement, au commerce international. Pour contrer le pouvoir politique que la réappropriation des terres a redonné aux paysans et ouvriers au cours du XIVe siècle, au XVe siècle, la noblesse terrienne, l'Église et la bourgeoisie forment une alliance inédite, en mettant au point une stratégie d'attaque des fondements des communautés paysannes, en modifiant les rapports entre les sexes dans les milieux populaires pour en défaire la solidarité qui les caractérise. Geneviève Pruvot, dans son livre « Quotidien politique », remarque ainsi « L'enjeu est double, accentuer l'antagonisme entre hommes et femmes d'une même classe et augmenter à marche forcée le nombre de bras en dédiant les femmes à la reproduction. Plus la main-d'œuvre est nombreuse, moins elle est en mesure de dicter ses conditions. » Jusqu'au XIVe siècle, les femmes prostituées font partie de la société féodale. Elles forment des associations et prennent part aux processions religieuses sous la bannière de leur patronne, Sainte Madeleine. Les grandes villes créent des maisons des femmes où elles se retrouvent en plus grand nombre, tandis que la pauvreté augmente et que l'Église tente de réguler la prostitution. Mais à partir de la fin du XIVe siècle, les prostituées sont interdites de fêtes et danses publiques, et doivent porter un ruban jaune à leurs chaussures pour être distinguées des femmes dites décentes et honorables.
L'Église fait campagne contre toute forme de sexualité qui n'aurait pas de visée reproductive, accusant prostituées, sorcières et indigènes de crimes sexuels. C'est aussi à la fin du XIVe siècle que débute la chasse aux sorcières. Le premier procès en sorcellerie a lieu à Paris, et c'est celui de Jeanne de Brigue, le 29 octobre 1390. Jugée par le Parlement, elle est brûlée vive le 19 août 1391. Au XVe et XVIe siècle, l'ancien ordre européen s'effondre, et selon la formule d'Immanuel Wallerstein, une économie mondiale européenne basée sur le mode de production capitaliste voit le jour. Mariamis précise que cette période se caractérise par une formidable expansion et pénétration de la bourgeoisie montante dans les nouveaux mondes, et par la paupérisation, les guerres, les épidémies et les turbulences au sein des anciens États centraux. Le XVIe siècle se caractérise par l'inflation, imputée à l'afflux des métaux précieux en provenance d'Amérique hispanique. Les masses sont ainsi confrontées à une plus grande pauvreté. Le salariat rural y est la forme dominante de contrôle du travail, tandis qu'en Europe de l'Est et dans les pays baltes où sont cultivées les céréales, les serfs tombent dans une condition d'extrême dépendance et d'exploitation connue sous le nom de servage secondaire. Au XVIe siècle, l'accroissement de la population, l'exode rural lié au système d'enclosure, le déclin des corps féodaux de serviteurs et le démantèlement des armées imposent une pression démographique sur les villes, où se développe le vagabondage. Les femmes font partie de cette masse vagabonde qui vit au jour le jour. Elles sont danseuses, saltimbanques, chanteuses et prostituées. Ces femmes suivent aussi les armées et ne sont pas seulement prostituées, mais aussi infirmières, petites commerçantes et creusent les tranchées. Dans la seconde moitié du XVe siècle, en particulier en Allemagne, en Italie et beaucoup en Suisse, le rythme des procès de sorcières augmente de manière significative et ils deviennent des entreprises systématiques. Mariamis écrit « La chasse aux sorcières qui a fait rage en Europe du XIIe au XVIIe siècle était l'un des mécanismes visant à contrôler et à subordonner les femmes, les paysannes et les artisanes, des femmes qui, par leur indépendance économique et sexuelle, constituaient une menace pour l'ordre bourgeois et émergent. Face à ces persécutions, les femmes résistent. » Mariamis raconte « L'une de ces formes de résistance s'incarne dans les nombreuses sectes hétérodoxes dans lesquelles les femmes jouent un rôle important, ou qui, dans leur idéologie, prônent la liberté et l'égalité des femmes et condamnent la répression sexuelle, la propriété et la monogamie. Ainsi, la secte du libre-esprit a existé pendant plusieurs centaines d'années, a instauré la vie en commun, aboli le mariage et rejeté l'autorité de l'Église. De nombreuses femmes, dont certaines étaient des savantes extraordinaires, appartenaient à cette secte. Plusieurs d'entre elles, comme l'écrivaine mystique Marguerite Porret, furent brûlées comme hérétiques. Mariamis avance une analyse de la chasse aux sorcières. Il semble plausible que toute la fureur de la chasse aux sorcières ne soit pas seulement le résultat de la décomposition de l'ordre ancien dans sa confrontation avec les nouvelles forces capitalistes, ou même une manifestation de l'intemporel sadisme masculin, mais une réaction des nouvelles classes dominées par les hommes contre la rébellion des femmes. Les femmes pauvres, libérées, c'est-à-dire expropriées de leurs moyens de subsistance et de leurs compétences, se sont défendues contre leurs expropriateurs. Les procès en sorcellerie suivaient une procédure juridique méticuleusement élaborée. Dans les pays protestants, les magistrats, les commissaires, prenant part à ces procès, travaillaient main dans la main avec les prêtres. L'un de ces procureurs est l'Allemand Benedikt Karpsow, né dans une famille très protestante et qui exerça dans la première moitié du XVIIe siècle. D'abord avocat pénal, puis théoricien de la sorcellerie et professeur de droit à Leipzig, il a signé 20 000 condamnations à mort contre des femmes qu'il jugea sorcières. Benedikt Karpsow est aussi considéré comme le fondateur de la jurisprudence allemande. Pour Mariamis, la persécution et l'exécution des sages-femmes comme sorcières sont directement liées à l'émergence de la société moderne. Elle écrit « Les chambres de torture des chasseurs de sorcières étaient des laboratoires où l'on étudiait la texture, l'anatomie, la résistance du corps humain, principalement du corps féminin. On peut dire que la médecine moderne et l'hégémonie masculine dans ce domaine vital
se sont fondées sur les millions de corps féminins écrasés, mutilés, déchirés, défigurés et finalement brûlés. Longtemps considérée comme un vestige du Moyen-Âge, la chasse aux sorcières a depuis été replacée dans son contexte historique. On identifie désormais qu'elle a accompagné l'émergence de la société moderne. Ainsi, en France, le théoricien de la doctrine mercantiliste et du concept moderne de souveraineté, ardent défenseur du rationalisme moderne Jean Bodin, est aussi un fervent et cruel militant de la chasse aux sorcières et des tortures prescrites par l'État. L'objectif de Jean Bodin est d'obtenir davantage de travailleurs pour l'économie de l'État souverain moderne, afin de créer de nouvelles richesses après les crises médiévales agraires. En tant que consultant pour le gouvernement français, il réclame ainsi une police forte pour s'attaquer aux sorcières et sages-femmes, responsables selon lui des avortements, des infertilités, des relations sexuelles non reproductives. Selon ses propres principes de rationalité, il établit le ratio des accusés de sorcellerie à 50 femmes pour un homme. Geneviève Pruvot complète. Il s'opère un changement de conception de la vie. La naissance du capitalisme se traduit par la promotion de la valeur travail en vue de l'accroissement de la productivité. La natalité devient une affaire d'État. Toute forme de résistance est réprimée. Dans ce dispositif de production de main-d'œuvre, le pouvoir des femmes en matière de contrôle des naissances, d'accouchement et de médecine abortive constitue un obstacle. Il s'agit de criminaliser ce savoir. Une loi royale de 1556 oblige en France les femmes à déclarer chacune de leurs grossesses. Et tandis que les sages-femmes accordaient la primauté à la vie de la mère sur celle de l'enfant dans les accouchements difficiles, cet ordre de priorité change au profit de l'enfant. Ainsi, pour Silvia Federici, l'augmentation de la population au XVIe siècle n'est pas naturellement due à l'amélioration des conditions de vie, mais à l'impératif de fournir des ressources humaines en nombre. Des obstétriciens hommes, obéissant à une politique pronataliste et une politique anti-avortement, évincent les matrones. À travers l'Europe, la chasse aux sorcières devient un business juteux qui irrigue diverses institutions de la société moderne. Ainsi, les universités se remplissent d'étudiants en droit, comme l'explique ainsi Mariamis. Les procès de sorcières ont fourni de l'emploi et de l'argent à une foule d'avocats, de conseillers, de juges, de conseils, etc. Ceux-ci ont pu, grâce à leurs interprétations compliquées et savantes, des textes faisant autorité, prolonger les procès afin d'en augmenter les coûts. Il existait une relation étroite entre les autorités mondaines, l'Église, les dirigeants des petits états féodaux et les avocats. Ces derniers sont responsables de l'inflation des honoraires et remplissent leurs coffres en soutirant de l'argent aux pauvres victimes de la chasse aux sorcières. Les frais de procédure, imputés à la famille de la sorcière, englobent tous les coûts, depuis l'alcool consommé par les soldats qui la poursuivent jusqu'au bois du bûcher sur lequel elle brûlera. Selon le droit canonique, les biens de la sorcière devaient être confisqués, qu'il y ait des héritiers ou non. La plus grande partie des biens confisqués, jamais moins de 50%, étaient appropriés par le gouvernement. Dans de nombreux cas, tout ce qui restait, après déduction des frais de procès, allait au trésor public. Une autre source de revenus provient des familles les plus riches, qui versent de larges sommes aux juges et avocats pour libérer les femmes accusées de leur famille, raison pour laquelle la majorité des exécutés sont aussi les plus pauvres. Au XVIIe siècle, la guerre de 30 ans dans laquelle sont impliqués la plupart des pays européens accroît le rythme des chasses aux sorcières, certaines étant spécifiquement organisées et encouragées par des princes afin de lever des fonds, toujours par la confiscation, pour financer leurs efforts guerriers. Cette pratique tend à se normaliser, comme le relève Mariamis. Il semble que dans certains cas, les villes et les princes aient utilisé les pogroms de sorcières et les confiscations comme une sorte d'aide au développement pour leurs économies en ruine. Elle cite entre autres une lettre d'un gouverneur demandant à son seigneur s'il peut entamer une chasse aux sorcières afin de lever de l'argent pour restaurer un pont et une église. Si les principaux profits de ces chasses aux sorcières sont ponctionnés par les élites, tout un petit commerce se met en place dans les campagnes. Des moines errants vendent des images saintes qui protègent de la sorcellerie, d'autres s'autoproclament commissaires. Lorsqu'ils trouvent une sorcière, ils sont récompensés par les autorités.
La chasse aux sorcières en tant que business n'échappe pas aux critiques de certains contemporains, comme le prêtre Cornelius Luce, qui dénonce les procès des sorcières qu'il juge être une nouvelle alchimie qui transforme le sang humain en or. Mariami s'ajoute, le sang des femmes. Cornelius Luce est emprisonné et finit par se rétracter. Elle résume ainsi, l'espoir de gains financiers peut être considéré comme l'une des principales raisons pour lesquelles l'hystérie autour des sorcières s'est répandue et pourquoi pratiquement aucune personne n'a été acquittée. La chasse aux sorcières a ainsi largement contribué à l'établissement de fortunes personnelles, mais a aussi permis de mettre en place un système politique à travers l'Europe, l'État absolutiste. La mort de ces femmes et le vol de leurs propriétés et richesses est donc l'un des socles, avec l'exploitation des esclaves et le pillage des colonies, du processus originel d'accumulation du capital. Néanmoins, les chasses aux sorcières ne sont pas seulement motivées par les considérations économiques. Mariamis cite Caroline Merchant, qui a démontré que la nouvelle méthode scientifique élaborée par Francis Bacon pour étudier la nature suit la même trame que celle des interrogatoires et des tortures infligées aux femmes. Il insiste notamment sur l'utilisation d'objets mécaniques pour forcer la nature à révéler ses secrets. Pour Bacon, la nature doit être mise au service de l'homme, rendue esclave, mise sous contrainte, elle doit être disséquée, de même que le ventre de la femme a symboliquement cédé au forceps. Le ventre de la nature recèle des secrets qui, grâce à la technologie, peuvent lui être arrachés pour servir à l'amélioration de la condition humaine, comme l'écrit Caroline Merchant. Mariamis complète. La méthode scientifique de Bacon, qui reste la fondation de la science moderne, a unifié le savoir avec le pouvoir matériel. Ainsi, la violence est le mot-clé et la méthode clé pour établir la domination de l'homme nouveau sur les femmes et la nature. Ce sont les classes les plus aisées qui ont profité de cette nouvelle domination patriarcale scientifique. Ce sont elles qui ont besoin de travailleurs et qui considèrent l'autonomie reproductive et sexuelle des femmes comme un obstacle. De la même manière, elles considèrent la nature comme un vaste réservoir de ressources matérielles à exploiter et à transformer en profit. On s'arrête ici pour cet épisode sur les chasses aux sorcières. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à partager, à parler de ce podcast autour de vous. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. Dans le prochain épisode, on regardera l'autre facette de la consolidation du capitalisme patriarcal, la colonisation. À bientôt sur Floraison.